Je suis le second maître Ferdinand, je suis marin-pompier, affecté à la compagnie des marins-pompiers de Cherbourg depuis 2 ans, et je suis spécialisé en risques chimiques et biologiques. Cette formation sur la sensibilisation sur le Covid-19, elle est à l'initiative de l'état-major des armées, donc elle nous a été adressée par l'autorité territoriale, c'est-à-dire Comnord. En fait, le but de cette formation, c'est de sensibiliser un maximum de personnes des unités aux risques liés au Covid-19, et comment se prémunir de ces risques. Donc en 2 parties. La première partie, c'est, on va dire, les gestes barrières que l'on est amené à faire tous les jours sur son lieu de travail ou à domicile, puisqu'il faut qu'il y ait une redondance à domicile. Et la deuxième partie, c'est en cas de contamination avérée, procéder à la désinfection des locaux. Ces actions de désinfection, elles sont effectuées par les personnels experts des armées, à savoir au niveau de Cherbourg, par la compagnie des marins-pompiers de Cherbourg, en appui des personnels des unités, qu'on a sensibilisés durant les instructions. Bien entendu, cette sensibilisation, elle intervient aussi pour que les unités puissent être autonomes dans la vie de tous les jours. Et enfin et surtout pour que chaque militaire et chaque civil de la défense puisse appliquer ses consignes soi-même à domicile et qu'elles soient conformes avec les directives du ministère de la Santé.